Pascal Prefengui, vamos a hablar ahora de las cuevas de los tallos y de las momias del desierto de Nazca. Plus sérieusement, on va parler maintenant des momies du désert de Nazca et des découvertes d'un père jésuite dans les grottes de Los Tallos. Alors de quoi il s'agit? En fait, en Amérique du Sud, on a trouvé beaucoup d'artefacts qui sont assez étranges, et des grottes notamment, et beaucoup de vestiges anciens, par exemple des grottes avec des peintures rupestres qui ont 400 000 ans, des grottes où il y a un ensemble d'artefacts et d'objets qui sont complètement anachroniques et qui bouleversent complètement l'histoire officielle telle que les Occidentaux la vendent au monde entier, de l'origine et de l'histoire de l'humanité. Alors on va parler de deux sujets, on va parler donc de la Cueva de los Tallos, et ensuite on va parler de des momies ovidienne de Nazca. Alors là, on rentre dans la théoria de la conspiration. Donc, de quoi s'agit-il pour les Cuevas de los Tallos? Alors d'abord, ça, c'est en Équateur. Donc c'est une grotte qui a été découverte par un père jésuite qui lui a été indiqué par des indigènes, des Incas, et qui lui ont dit que là, il y avait une pyramide cachée à l'intérieur du sous-sol, une immense pyramide avec un ensemble d'artefacts qu'ils ont mis à jour. Alors, il y avait des espèces de disques dont vous voyez les photos, et il y avait aussi des objets gigantesques visiblement appartenant à une race de géants. Et ce qui a été aussi déterré là est assez intéressant, puisqu'il y a en dehors de ces plaques des artefacts, donc des objets qui correspondent à toutes les civilisations du monde, aussi bien égyptienne sumérienne. Donc on a une petite explication de ce mobilier, de ces objets, qui serait la présence donc d'une migration égyptienne qui serait partie il y a environ 2500 ans avant Jésus-Christ, qui serait partie de l'Égypte, qui serait passée par l'Atlantide, c'est-à-dire les Açores à l'époque, ce petit continent s'est enfoncé avec la dorsale atlantique, pour ensuite cheminer le long du monde, notamment jusqu'en Australie. Donc ils ont fondé un certain nombre de civilisations, comme la civilisation Toltec, avec ses grosses têtes noires, puisque les Égyptiens étaient des Noirs, étaient des Africains, des Dravidiens, ce qui explique que les nez de toutes les statues anciennes ont été cassés parce que quand les pharaons blancs sont apparus, et bien tout simplement pour une question raciale, de supériorité raciale, notamment les Gréco, ceux qui étaient les Ptolémées, donc c'est-à-dire les Gréco-Latins, ils ont donc voulu falsifier l'histoire ancienne de l'Égypte. Donc c'était bien des Noirs, Noirs de Noirs, qui ont créé l'Égypte, hein, comme les Dravidiens, c'est eux qui ont créé aussi la civilisation indienne, hein, et les Dravidiens, ce sont leurs descendants. Et donc, ils sont allés jusqu'en Amérique du Sud, où ils ont créé cette civilisation Toltec. Ils ont créé aussi les civilisations qui sont venues ensuite, Maya et la civilisation Inca et les autres civilisations andines. Ils sont ensuite allés à l'île de Pâques. Ensuite, ils sont revenus par l'Australie, où on a des artefacts. Et ensuite, par l'Inde, où ils ont créé la civilisation de l'Indus. Donc ces artefacts, ils expliquent donc une connexion très ancienne entre la civilisation égyptienne et sumérienne et les civilisations précolombiennes. Donc tout ça, ça a été trouvé dans une grotte, la Cueva de los Tallos, en Équateur. Alors ce qui est intéressant, c'est que Aldrin, donc l'acteur qui a joué être allé sur la Lune, est venu le visiter. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont trouvé une espèce de porte monumentale, et en passant à l'intérieur du souterrain, ils sont allés jusqu'à une concrétion naturelle où il y a une espèce de phallus en quartz qui montre bien que c'était un lieu de culturel. Mais il est possible que les Indiens n'aient pas dit toute la vérité sur le lieu parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit profané. En tout cas, il y a des vidéos qui ont été faites sur la Cueva de los Tallos. Alors le deuxième, qui remet encore plus en cause l'histoire de l'humanité, puisque bon, pour l'immigration égyptienne, ce n'est pas la seule hypothèse, hein, on a d'autres preuves historiques qu'il s'agit bien d'une immigration égyptienne et atlante et hyperboréenne à son origine. Donc il y avait une civilisation mondiale qui a d'abord été menée par les hyperboréens, puis ensuite les atlantes, puis les égyptiens. Je pense que maintenant ça commence à être connu et assez documenté, notamment il y a pas mal de vidéos assez bien faites sur internet, et je vous renvoie à K2019 de mon ami. Ce qui est plus intéressant maintenant, c'est que nous allons parler de The Alien Project. Donc c'est un ensemble de momies qui ont été trouvées donc au Pérou cette fois-ci. Et ces momies, certaines se sont avérées des humains de très 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 petite taille, un petit personnage de quelques centimètres de hauteur, hein, qui a été authentifié comme étant bien humain, avec un ADN humain. Donc il a un ADN de femme humaine et l'ADN masculin, on ne sait pas.
Donc c'est un peu gros pour que ça soit une mutation génétique liée à la maladie, surtout un adulte de cette petite taille et aussi la morphologie et la différence avec le nombre de vertèbres, de côtes, etc. C'est quand même un peu gros pour que ça soit... Donc c'est probablement un être hybride entre un humain et autre chose. Alors cette piste de l'hybridation, elle est encore plus forte donc sur les momies de Nazca. Bon, il y en a un certain nombre qui ont été détruites ou soi-disant détruites par le gouvernement de l'Équateur. Et à mon avis, c'est pas été détruit, mais remis à des gens qui ont assez d'argent pour pouvoir le faire, notamment les Américains, ou qui ont intérêt à cacher un certain nombre de choses. Donc ces momies, elles ont été analysées, les analyses d'ADN ont été faites. Alors certaines étaient des montages ultérieurs à partir de plusieurs corps. Mais par contre, il y en a une qui a bien des œufs à l'intérieur, qui a 27 à 40% d'ADN humain et qui est donc un saurien, c'est-à-dire un ovipare de forme humanoïde. Alors tout ça, ça nous renvoie à un propos qui est assez intéressant, qui est la manière dont l'évolution en fait, des mammifères a amené des hominidés. On peut penser que les sauriens qui nous ont précédés, donc toute la race des dinosaures, des serpents et des oiseaux, en fait, eux ont évolué bien avant nous vers une forme hominidée, donc il y aurait humanoïde, donc il y aurait des humanoïdes qui seraient des descendants des sauriens, qui auraient la caractéristique, contrairement à nous qui sommes des animaux à sang chaud, d'être des animaux à sang froid, de pouvoir vivre dans le sous-sol, ou notamment de pouvoir faire des voyages interplanétaires si leur technologie leur permettait, par exemple vivre sur la Lune, ou sur Vénus, ou sur Mars, sur les lunes de Jupiter, par exemple. Et c'est assez intéressant, puisqu'il y a toute une littérature qui s'est développée en marge des documents qui ont été déclassifiés par la Maison Blanche et l'US Air Force, notamment qui ont été révélés par l'armée française. Il faut dire plus cette question. C'est vrai que la question extraterrestre, entre guillemets, ou d'entité non humaine EBE sur Terre a été pas mal ridiculisée. D'un côté, il y a Hollywood qui a fait du bourrage de crâne dans un sens. De l'autre côté, les militaires ont toujours nié. On les a soupçonnés de nier parce qu'il y avait de la rétro-ingénierie. Et il y a un certain nombre de documents qui ont été communiqués par l'armée française qui montrent justement que... on a donc de la technologie non humaine et on a une présence non humaine sur Terre, notamment des corps. Alors il y a eu, c'est vrai, un grand enfumage sur la question dans tous les sens et qui cache très certainement une activité de rétro-ingénierie. Alors ce qui est intéressant avec ces momies d'ovipares, en fait, c'est qu'elles ont de l'ADN humain, elles sont tridactyles et elles se reproduisent avec des œufs. Donc elles seraient parallèles à nous autres sur Terre et il y aurait une possibilité, puisqu'elles ont une partie de leur ADN, 27%, qui est commune avec nous, avec l'Homo sapiens. Peut-être il y a une possibilité, lorsque ces personnes ont acquis une technologie suffisante comme nous de nos jours, de pouvoir faire des mutations génétiques de mammifères pour produire l'être humain, ou en tout cas un système de reproduction avec l'être humain. Voilà. Ce qui expliquerait cette apparition soudaine d'Homo sapiens. Donc là, on a aussi un écho à ce que nous racontent les Sumériens, c'est-à-dire qu'il y avait des gens venus d'ailleurs de très grande taille, alors ça c'est la Cueva de los Tayos, et puis aussi des gens de plus petite taille, d'une race de serpents, dit-il, ou d'oiseaux, qui pourraient faire référence aux anges. Les anges, ils apparaissent dans le bréviaire catholique à partir du 3e au 5e siècle, ils n'apparaissent pas avant. Donc des êtres donc, qui seraient de la race des oiseaux, alors pourquoi pas hein. Les jeux sont ouverts, les progrès de l'archéologie et les découvertes qui sont faites actuellement remettent tout à fait en cause l'histoire telle qu'on l'avait héritée de la Bible et depuis le Moyen-Âge. Notamment l'étude des religions comparées et les textes anciens mettent à jour une histoire qui est tout à fait différente de celle qu'on nous a appris à l'école. Voilà pour les deux sujets. Alors, il y a un petit côté connexe avec ce que je disais sur les reptiliens, entre guillemets, notamment la famille royale d'Angleterre et les informations que j'avais données donc, sur ces êtres dont parle le Coran, Gog de Magog, et le fait que nos Khazars, impliqués dans le nouvel ordre mondial, se réclament d'une origine non terrestre ou non humaine, en tout cas. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, un petit peu moins de façon humoristique, puisque c'est un sujet qui est aussi sérieux, mais il n'y a pas eu trop de délire sur le sujet, donc on peut quand même l'aborder assez sérieusement. Je vous remercie pour votre écoute, n'oubliez pas le pouce. Merci pour les vues, on en est maintenant à plus de 350 000 et donc j'espère atteindre 1 million avant que ma chaîne soit fermée. À très bientôt, ciao. Shalom, salam, la paix soit avec vous. Ah.